Double H Production. I'm in direct. Hip hop rules the world. 100% Hip Hop Underground. Boogie Down, siamo qui in una, alla Double H Production, che praticamente è una compagnia che si occupa di vendere DJ di altissimo livello qui in Francia, Fight Killer, Crazy B, Dynasty. E siamo qui per vedere come funziona il business. Siamo qui con una carinissima ragazza che si chiama Massita. Come sta, va? Bien, ça va bien. Écoute, ce que je voulais savoir, c'est comment ça fonctionne le business de vendre un DJ hip-hop en France et en dehors de la France. Wow. Alors nous, on est un label de production, donc on s'occupe uniquement de DJ, qui est un collectif de DJ. On est 9 DJ. Donc comment vendre du DJ en France? Ça passe par la production. C'est beaucoup de sorties de disques, en tout cas pour Cut. C'est beaucoup de mixtapes pour les autres aussi. On a actuellement la compile de Cut, Killer Show, qui vient de sortir via Small Sony. Et voilà, quoi, on promotionne ça à fond, comme on peut, par tous les moyens. Cut, il dort pas, il travaille tout le temps. Entre les mixtapes, les sorties de disques, les soirées qu'il fait, il a pas un jour de libre, c'est toujours travailler, les écoutes, travailler avec des nouvelles personnes. Il y a énormément de choses qui bougent dans le hip-hop en France. Donc que ce soit au niveau des featuring, tous les groupes français qui sortent, ils travaillent avec énormément de monde, le plus de monde possible en général. Donc ça lui fait des journées de 48 heures en général. Pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu me cherches? Okay, ici par contre on est avec Gérard qui s'occupe De tout l'administratif en fait. Donc que ce soit au niveau des contrats avec Michel qui est derrière un petit peu plus loin là-bas, au niveau du juridique et puis un petit peu avec Massita sur la promo, sauf qu'elle en fait elle est bien promo quoi. Elle est bien là-dessus quoi. Écoute, ça fait combien de temps que vous avez ouvert disons, cette compagnie? Double H, ça va faire à peu près 2 ans quoi, maintenant. Avant en fait c'était plus Cut et East en fait, vu que c'est East qui avait trouvé le nom Double H. Et ensuite on a bifurqué sur une association de DJ, donc avec les 5 DJ qu'il y avait à l'époque, Cut, Abdel, Crazy B, LBR et Dynasty. Et donc par la suite, il y en a 4 qui sont venus se greffer dessus. Donc par la suite, justement du fait qu'ils ont créé un collectif de DJ. En fait l'ambition de Cut et de East à l'époque c'était de créer un label. Donc je pense que suite au collectif de DJ et à la sortie des compilations Hip Hop Soul Party, on a pu créer le label justement et faire ce qu'on fait maintenant. Quoi. La plupart du temps en fait c'est ce qui se passe quoi sur les le produit principal quoi, je dirais c'est partie de la compilation quoi, l'album mixé. Ce qui se passe c'est que on sur un track listing de titres étrangers, enfin américains ou français, Cut essaye de greffer dessus des morceaux à lui. C'est-à-dire que lui produit avec des artistes connus ou pas connus du tout. Donc la plupart du temps, il essaye de coupler les deux, quoi. Prendre des artistes connus et des artistes pas connus. Et en fait, il produit ces morceaux-là, quoi. Ouais. Comme là, dans la dernière compilation sur Hip Hop Soul Party, je crois qu'il y a 6 morceaux qui sont produits par Double H, quoi. Sur un track listing de, 33 titres, ouais, 33 ou 36 titres. Est-ce qu'il pense de faire une compilation de toutes de Double H aussi? Ouais, il y a un projet qu'on a en projet de faire un album DJ, c'est-à-dire avec tous les DJ de Double H, quoi, avec soit des instrus, soit des instrus avec des featuring, des choses comme ça, quoi, des rappeurs invités dessus, un petit peu comme le fait Funkmaster Flex. We're never gonna stop making you dance. Sur la vie de ma mère, je t'envoie en enfer voir Lucifer. Comme au Kung Fu, il faut mettre les coups au rendez-vous. Ninja comme un Kung Fu, je te mets des coups. Ninja comme un saut.
rôle dans la